Allez, let's go, c'est parti pour la suite de notre aventure. Évidemment, on va prendre une voiture qui a pris un petit peu. Ouais, quelques dégâts, mais c'est trois fois rien. Et on va se rendre directement aux missions principales. Alors, quelle mission principale on va prendre? Dans quel ordre on les fait? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'on va se faire... alors, on a Ghost Town qui coûte un peu de thunes. On a Takemura. En vrai, on continuerait bien Takemura, non? C'est Takemura ou Mr. End? Ah, Mr. End, c'est les Voodoo Boys. Je vais peut-être pas faire ça tout de suite. On a Down the Street. Je pense que je vais faire Takemura. On va faire Takemura, les amis. On est parti. Let's go. On parle de toi sur le stream. Quelle heure il est? 14h30. On est jeudi, 14h30. C'est en plateau. Donc, ils sont en train de jouer à quoi, d'ailleurs? J'ai aucune idée de ce à quoi ils jouent, mec. Aucune idée. Ouah, c'est Rofellos. Il doit être en train de dire que... qu'il est très triste que le meilleur animateur de cette Web TV ne soit pas présent à cause de ses vacances. Je pense que ça... Ah, il joue à Dream Runners. Très bien, très bon jeu. C'est un jeu tout à fait sympathique, Samy. Je vous invite à aller le découvrir avec eux. Il faut faire les bons assemblages. Ouf. Oh, je l'ai eu. Oh oui. Oh, je l'ai terminé. Oh, je l'ai terminé, le mec. Oh, j'appuie un peu fort sur le joystick. Ça marche bien. Allez, on y va. Pour le moment, la conduite est vraiment maîtrisée. Hein. La conduite est tout à fait... Y a aucun problème de maîtrise, tu vois. C'est géré, quoi. C'est géré, je veux dire. Je ne peux pas me planter avec cette voiture. Elle est beaucoup trop maniable. Beaucoup trop facile à conduire. Y a aucun problème de maîtrise, quoi. J'ai ça dans le sang, quelque part. Je me sens pilote quand j'ai cette voiture. Je me sens pilote, tu vois. Je passe en dessous de ceux qui me dérangent. Y a aucun problème. Voilà, on va rafraîchir un petit peu tout le monde parce que c'est l'été. Hop, excusez-moi, madame, mais je vous ai simplement roulé dessus, en fait. Voilà, pardon. Voilà, vraiment aucun problème de conduite. Ah ! Alors ça, c'est un truc qui m'énerve dans le jeu. Il n'y a pas de policiers. Et en fait, quand tu te fais repérer, tu fais une dinguerie ou quoi, les policiers apparaissent, ils pop devant toi. Et ils peuvent pop par milliers, je vous montrerai tout à l'heure. En fait, si tu continues à essayer de les tuer et à tenir tête un peu, ben en fait, t'en as un, puis deux, puis trois, puis 12, puis 120. Et à la fin, t'as les hélicoptères qui pop et tu meurs. Mais le truc, c'est que les policiers, c'est pas comme un GTA où genre, ils te coursent, ils doivent te trouver, ils arrivent et tout. Non, ils apparaissent, ils pop devant ton écran. Ça n'a aucun sens. Ils se téléportent, les mecs. Oh là, oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce qui se passe? Dugzai, j'ai oublié de te le rappeler, mais si tu peux me filer le petit record, ce soir, t'es le boss. Ouais, je te fais ça... Tu fais bien de me le dire, mais effectivement, je vais lui faire son petit record, y a pas de problème. Je lui ai dit que je le ferai, mais effectivement, j'ai oublié. J'ai complètement oublié, je suis une salope. Il m'a demandé de lui faire un petit record 4K de Cyberpunk. On va le faire, évidemment. Je n'y vois rien, là, je... Ok, c'est bon. C'est quoi, ce tunnel? Ok. Bizarre. Wouah! J'étais à deux doigts de finir dans le port. Risqué, hein. Quai de Japantown. Ok. Effectivement, on est bien à Japantown, là. Alors, attends. Est-ce que j'y vais maintenant? Je ne sais pas. On ne l'arrête plus, Maxina, il s'en balance du chat. Non. Attendez, j'ai lu le message de Xai. Qu'est-ce que vous me racontez? Les policiers sont full buggés. Tu peux les faire dépop en tournant sur toi-même. Non, c'est vrai? Incroyable, ça. C'est terrible. Pourquoi? Vous avez dit un truc... vous avez dit une dinguerie, je vous ai pas vu. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Dites-moi. Parce qu'apparemment, vous êtes en full... vous êtes en full incompréhension parce que je ne lis pas le chat. Dites-moi. Alors... T'inquiète, un mec clean et pas une racaille qui écrase les gens et comme ça, pas de police. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je pourrais faire ça. Alors, j'ai vu un... Ah, il me semble bien que j'avais vu un truc... en venant dans le tunnel.
composants d'objets. Ouais, bon. C'est pas une dinguerie, mais je voulais pas le laisser passer, quoi. Ah, j'ai juste mis 7 minutes à lire le truc de Xari. Ouais, ça va, les gars. Je ne suis pas ce genre de streamer. Je ne suis pas en communion avec vous. Voilà. Quelque part, vous parlez dans le vide. Voilà. Je... Il y a différents types de streamers. Il y a le bon streamer et il y a le mauvais streamer. Voilà. Bon, le bon streamer... bon, voilà, il stream. Le karma. Yes. les dégâts. Les dégâts des poubelles. Oh là 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 là, incroyable. Eh ben ouais. Hein. Eh ouais, donc je disais, il y a le bon streamer qui stream, du coup, et puis il y a le mauvais streamer. Le mauvais streamer, bon... Mauvais streamer, il stream, quoi. Donc c'est pas pareil. Ouais, j'ai pris extrêmement cher là. J'avais jamais vu ce bug. C'est wow, c'est une première. Ah oui, non, c'était pas là. Le quai de Japantown. Max, il me faudrait un cyber implant pour avoir une barbe comme la tienne. Ouais, il faudrait un implant qui fait pousser la beubare. J'entends bien. Malheureusement, nous ne sommes pas dans le monde de Cyberpunk, my friend. Et bah, ça n'existe pas, hein. T'es juste baisé en fait. La vérité, c'est ça. Oh, elle est quand même stylée cette caisse. Hein. Elle roule mal, mais. Enfin, la rouge qu'on vient de voir passer. Elle roule mal, mais. Oh là là, voilà, oh je perds de l'adhérence là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, what? Mais. T'as des fois, ça fait des trucs bizarres. Hein. Je disais donc que j'allais ramasser ces composants. Ah, merci. Que j'allais reprendre la voiture. Et que j'allais continuer la quête principale. Ferme la porte, s'il te plaît. Merci. Ah, mais elle ferme plus, en fait. D'accord. Bon, ça règle un peu le souci. Est-ce que je peux passer les barbelés, là, comme ça? Large, tranquille. Allez, bon, c'était pas vraiment des barbelés, j'entends. Mais... Le double saut est quand même extrêmement pratique. Il y a un endroit pour réparer les voitures? Non, pas vraiment. Tu te colles des poils, voilà comme on fait en 2020. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le principe. C'est un peu le principe. Allez, quai de Japantown, let's go. Petite glissade. Apparemment, tout le monde s'en bat les couilles. Bon, on va attendre notre ami Takemura. Apparition de Takemura. Ah ouais, il me fait attendre longtemps, le bâtard. Je suis content de te voir, V. Eh ben, c'est plutôt... isolé, comme quoi. C'est clair. L'endroit idéal pour une réunion aussi secrète. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as une sale tête. Tu es face à un homme privé de ses implants, de son argent et de sa dignité. Ça dégoûte. Mais ce n'est pas si mal. Dans la rue, je passe relativement inaperçu. Il est là, ton ami? Oda? Il ne devrait plus tarder à arriver. Est-ce que tu vas finir par me dire qui c'est? Il est le garde du corps de Hanako-sama. Hanako Arasaka? Celle du porte-avions ancré dans la baie? La fille de Saburo? Pas mal. Et s'il te fait confiance, alors... Pas mal. Merci à toi, Turboléon. De la rencontrer. Merci beaucoup. En fait, c'est Vinaigre. C'est Vinaigre qui a lâché le sub. Merci beaucoup à toi. Et du coup, bienvenue, Turboléon, dans la commu. Ou alors il va nous balancer. T'es sûr de pouvoir lui faire confiance, Corpo? J'espère qu'il suit pas le protocole d'Arasaka. J'espère qu'il suivra pas bêtement le protocole d'Arasaka. Merci à toi, Aerio. Merci beaucoup pour ton Prime. Les règles tacites. Je sais pas pour le Japon, mais en tout cas, on en a à Night City. Au moindre signe potentiel. Merci à toi, Reborn. Oh, c'est la folie là, qu'est-ce qui se passe? Merci à toi pour ton Prime, merci à toutes et tous.
C'est très cool, merci beaucoup. Je comprends que cela t'inquiète. Mais si Oda devait avoir un doute, il n'aurait pas besoin d'escouade ou d'appui aérien. Rien que lui-même. Crois-moi, je l'ai déjà vu à l'œuvre. Et c'est censé me rassurer, peut-être ? Si ça peut t'apaiser l'esprit, essaie de regarder le ciel. Il est en voiture ? C'est bon signe. D'habitude, il est toujours camouflé. Oh, tiens, tiens. Une petite voiture. Une Villefort. T'as des jeux de société à recommander ? On a fait une vidéo sur YouTube, sur la chaîne Le Stream Replay. Tu peux choper ça, on a fait une vidéo. Tu tapes Le Stream Board Game Award et tu vas le trouver. Oda. Salut Oda. J'aime pas ta coupe. C'est lui. Le voleur. C'est mon témoin. V. Et je sais parler, pour info. Alors, parle. On m'a dit que tu savais des choses. Yorinobu a étranglé son père. Ça ne va pas vous plaire. Alors, je veux une garantie. Ça va pas vous plaire, ce que je vais dire. Je veux être sûr que je risque rien. Tu as ma parole. Oh. Fais, tu peux lui faire confiance. Bon, d'accord. J'étais au Konpeki Plaza le soir où c'est arrivé. Ça ressemblait à une simple histoire de famille jusqu'à ce que... Yorinobu se jette sur Saburo et se met à l'étrangler. Silence ! Pas un mot de plus. Tu vas attirer la mort sur toi. Je viens de te demander. C'est la vérité. Hanako-sama doit l'entendre. Tout ce que je veux, c'est la protéger dans cette ville abandonnée des dieux. Est-elle en danger ? Pas en ce moment. Mais lors du défilé d'hommage à Arasaka-sama, sans aucun doute. Je t'apporte le témoin de son meurtre. Et tu t'inquiètes pour un stupide défilé ? Imbécile ! Oui, car contrairement à toi, je ne compte pas faillir à mon devoir et trahir à mon serment. Vous devez regarder la vérité en face. La seule chose que je regrette, c'est d'être venu vous parler. Ta tête a été mise à prix. Estime-toi heureux que je ne la coupe pas pour la rapporter à Yorinobu-sama. Que ferais-tu maintenant si tu étais à ma place ? Je n'hésiterai pas. Je livrerai ta tête à Yorinobu. Tu as beaucoup de chance que je ne sois pas comme toi. Tu ne peux pas. Oda, vous êtes un soldat d'Arasaka. C'est pas une requête de notre part. Par devoir, vous devez la vérité à vos supérieurs. Je ne suis pas venu pour recevoir des leçons d'un voleur. Je te coupe la tête, gros. Été comme ça. Et votre pote, là, il a pas toujours eu l'air d'un clodo. Vous devriez faire gaffe. C'est facile de tomber au fond du trou. Pas envie ? Alors faites votre boulot. Dites à Hanako ce que personne d'autre veut entendre. Alors ? Voilà qui va lui donner, comme vous dites, matière à réfléchir. Parfois, il faut dire les choses comme elles sont. C'est dommage qu'il n'en ressorte rien. Comment ça ? Tu l'as vu toi-même. Oda est un perfectionniste. Il craint par-dessus tout de faire une erreur. Et bon débarras. Un seul cinglé de char à Saka à gérer, c'est déjà beaucoup. On aurait essayé. Il y avait aucune chance, tu choisis bien tes amis. Ouais, non, on va y aller tranquille. De toute façon, on n'a pas le sang-froid nécessaire. On aura essayé. Bon, on aura essayé au moins. En effet, mais nous avons obtenu quelque chose d'utile. Je suis à 30% du jeu à peu près. Je suis à 30% de ma quête principale, à 10% de la quête de Johnny Silverhand, à 10% de ma maladie. En fait, je suis pas du tout à 30% du jeu. Je suis loin. Je suis loin des 30%. Loin. Très, très loin. Très loin. C'est ce qu'a dit Oda. Il retourne à Tokyo après le défilé. Tu ne comprends pas ? Le défilé,
c'est peut-être une opportunité. Si, par chance, nous parvenons à atteindre Hanako-sama, nous devons d'abord effectuer un repérage. Il nous faudra une carte précise de Japantown. Ok. Une minute. C'est ton tour d'appeler un ami. Tu connais un fixeur qui pourrait nous aider ? Bah, effectivement, on va demander à Wakako Okada. Comme fixeur, je connais Wakako Okada. Elle tient une salle de pachinko sur Jig Jig Street. Alors, nous devons aller voir cette femme. Ok. On y va ensemble ? Ouais, pourquoi pas. Ça va, Johnny ? Tu veux causer ? Oh, 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 oh. Ah ouais, il s'est... Si j'étais resté là, puis il aurait disparu tranquillement derrière la voiture comme un boss. Marrant. Ah ouais, d'accord, faut que je monte. Bah vas-y, gros. Est-ce qu'on discute dans la voiture ou est-ce que juste tu m'emmènes ? Street ? Quel nom étrange. Jigsack Street ? Pas plus étrange que Goro Takemura. Attention, tu te moques de moi. Trop souvent. Il est vexé. T'as une idée de ce qui se passe à Arasaka ? Uniquement à travers ce que je vois à la télé. Yorinobu et ses pantins sourient devant les caméras et affirment qu'ils contrôlent la situation. Mais plus un sourire est grand, plus le mensonge est gros. Tout va bien, Goro. C'est vrai. Oui. Pourquoi cet intérêt soudain ? On a des intérêts en commun, toi et moi. T'as déjà oublié ? Certainement pas. Bien. Parce qu'on attrape plus facilement une bastos qu'un rhume à Night City. Et j'ai besoin de toi vivant. Je vais bien. Comme tu peux le voir. Tu devrais plutôt te soucier de ta propre santé. Certes, certes. Allez, direction notre ami fixeur à Japantown. J'écoute pour voir si Reina est en train de bouffer la barrière ou je ne sais quoi. Ça a pas l'air. Ça a pas l'air. C'est bon, je peux descendre ? Night City ! Je trace, hein. Ouais, ta gueule. Ah ouais, il m'a suivi vite. C'est le boss. Et il a l'air tellement vénère quand il marche. Ce bruit m'a manqué. Salut meuf. Oh, enfin. Tout ça n'est sûrement qu'un malentendu. Je ne sais pas qui a attaqué ton équipe, mais les Tiger Claws. Non, jamais de la vie. Mes gars savent se tenir. Désolé, je dois te laisser. J'ai de la visite. Je vois que ça discute entre fixeurs, c'est bien. V, contente de te voir. Salut. Et ton charmant ami, c'est... On bosse ensemble. On s'est juste retrouvés à bosser ensemble, c'est tout. Takemura Goro desu. Okada-san, oai dekite koei desu. Oh. Un vrai gentleman. Oh, c'est vraiment dommage qu'il ait tous les petits soldats d'Arasaka aux fesses. Et toi, V, tu l'amènes chez moi. Donne-moi une bonne raison de ne pas prévenir les autorités compétentes dans la seconde. Sois prudente. Prudente ? Le fugitif japonais le plus recherché au monde se planque à Night City et t'aurais rien à y voir ? Arrête. Tu sais comment il pense. Ils feront le lien entre nous avant que t'aies fini de fumer cette clope. Parle alors. Et note bien que j'ai toujours mon téléphone dans la main. On a besoin d'infos sur le défilé qui doit traverser Japantown. Ça concerne encore Arasaka alors. Oh, exactement. C'est tout à fait ça. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu viens me voir moi. Monsieur Dechaune ne décrochait pas son téléphone ?
Goro, tu peux me rappeler pourquoi Dex c'est pas disponible? Tu sais tout ce qui se passe dans ce quartier. Ouais, en vrai. Goro, tu peux me rappeler pourquoi ce gros lard perfide de Dex est pas disponible? Il est décédé. Il a été découpé et balancé dans une décharge par un gadar à sac. Si c'est pas triste. Est-ce que c'est une menace? Pas du tout. Tu voulais savoir pourquoi j'arrivais pas à joindre Dex. Je t'explique. C'est tout. Tant mieux, parce que vous iriez le rejoindre sinon. Okada-san, nous n'avons pas de mauvaises intentions. Il nous faut juste des informations. C'est une question de vie ou de mort. Tout est sur ces éclats. Combien ça va nous coûter? J'ai les poches vides. C'est évident. Venez, je vous en fais cadeau. Okada-san, les choses gratuites s'avèrent souvent plus coûteuses. Vous allez les prendre ou pas? Sérieux? Tu nous les donnes? J'ai mes raisons, mais vraiment aucune patience. Ok. Japanta. Alors, info. Sera bouclé pour le défilé. D'accord. Les chars d'Ashi seront l'attraction principale. Ils voleront par là, loin au-dessus des rues. Ok. Sur le trajet du défilé, des balcons, des passerelles et des endroits surélevés offrant une bonne vue. Aniko Arasaka, l'invité d'honneur, prononcera son discours depuis le plus grand char. Elle le fera précisément là. Aucune idée de la sécurité, mais vu les événements récents, elle devrait être importante. Au dernier défilé, des agents d'Arasaka s'étaient infiltrés dans la foule. Et c'est sans parler des snipers et des drones. Pour rendre les choses encore plus amusantes, il y aura au moins un être honneur. Ils utilisent les caméras de la ville pour tout surveiller. Le point d'accès principal est ici. C'est un vieux centre de contrôle automatique. À mon avis, ce sera le plus utile. À la fin, les chars quitteront Japantown. Et on restera là à nager au milieu des déchets que personne viendra ramasser. Voilà. C'est tout ce que j'ai. Ça devrait suffire. Je ne vous retiens pas dans ce cas. Très bien. Eh ben merci, Wakako. Et tu ne demandes pas ce qu'on fait. Pourquoi on se donne tous mal? Ne rien savoir m'a déjà été bien utile. Et de toute façon, je le saurai bientôt. Salut Max, tu conseillerais d'acheter quoi? J'ai 100K en 35 heures de jeu, mais j'ai aucune idée de ce que je devrais acheter. J'ai déjà le double saut. Prends une bonne bagnole, comme ça tu sais que t'as toujours un truc à dispo. Tu voulais me dire quelque chose? Après, sinon, ça dépend de ce que tu joues. Si tu joues Netrunner, si tu joues solo, si tu joues distance ou quoi, ça dépend de pas mal de choses. Si tu joues Berserk. Mais en gros, ton implant principal, il est hyper important. Voilà. Merci, Wakako. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Ne veux remercions, Okada-san. Eh bah, c'était utile cette petite discussion. On va peut-être discuter avec Taketake, Muramura, Takemumu, Takara, Takemura. Qu'est-ce qu'il fait? Cette femme était vraiment très charmante. Oh, il est amoureux. Ces informations, je pense que c'est ce qu'il nous fallait. Bah, je t'en prie, je suis là pour ça. Je vais quand même enquêter de mon côté. Je vais rester là quelque temps et contacter des associés. Dès que j'en saurai davantage, je te recontacterai. Très bien, sois prudent. Goro. Toi aussi, sois prudent. Ok. Cette mission-là, elle est gérée, les amis. Hop, on passe à la suite. C'était lequel? C'était le Down the Street. Attendre une journée, l'appel de Takemura. Vas-y, on continue cette mission. Hein. On reste sur ça. En vrai, est-ce qu'on irait pas peut-être faire un autre petit truc, tu vois, genre... C'est quoi Full Disclosure? Ah, c'est la banque de données, ouais, ok, qu'on pourrait faire. The Beast in Me, c'est les courses. On peut aller faire le Shoot to Thrill! On peut aller se faire ça. Alors par contre, je crois que pour aller faire le Shoot to Thrill, il faut un pistolet. Il faut un pistolet!
Et j'ai pas... Est-ce que j'ai un bon pistolet? Ah, j'ai un Lexington, c'est pas mal le Lexington, ouais. Le Lexington, c'est pas mal. 208, 51... En fait, ce qu'il faut surtout, c'est qu'il ait une bonne cadence. Attends. Si je prends celui-ci, voilà. Prenons un Lexington. Où est l'autre Lexington? C'est le rouge? Ouais, mais il est trop classe, il est rouge, putain! Dégâts physiques, dégâts chimiques. Chance d'hémorragie, chance d'empoisonnement. Ouais, ok, c'est un peu ça la seule diff. Il a le même, c'est tout pareil. Juste celui-là est un tout petit peu mieux parce que il a des emplacements supplémentaires. Allez, je vais prendre le rouge parce qu'il est plus classe. Est-ce qu'on peut l'équiper du coup celui-ci? Est-ce qu'on peut l'équiper d'un truc cool? On va peut-être le classer par prix en fait tout simplement. Ok, par prix le plus cher c'est celui-ci. Ouais, d'accord. Bon, ça. Globalement, ça vaut rien. Horace, comment il va? Salut à toi, Trodux. J'espère que tu vas bien. L'une des meilleures voitures est gratuite. Peut-être pas la peine d'en acheter, non? Comment ça, l'une des meilleures voitures est gratuite? La fameuse qui est sous un pont, je sais pas quoi, dans un tunnel, là? Ouais. Je préfère l'acheter, parce que quand tu l'achètes, tu peux la... Tu la siffles quand tu veux, elle vient, elle cesse trop bien. Tu conseillerais d'acheter... Ah oui, non, ça c'est la même question que tout à l'heure, je l'ai vu. Tu vas faire la pré-alpha de Black 4 Blood. C'est pas trop mon genre de jeu. Je la ferai si j'ai un pote qui me dit « Viens, on joue à ça », je jouerai avec lui, mais de moi-même, pas trop mon truc, on verra. Il n'y a pas de meilleure voiture, c'est surtout une histoire de feeling. Ouais, je suis d'accord. Alors, beaucoup de bugs? Non, pas des masses. Quand tu la récupes, après tu peux la siffler. Ah, cool. Bah, on l'aura plus tard, tranquille. Mais effectivement, j'ai très peu de bugs, hein, moi, pour le moment. Très très peu de bugs. Ça devrait bien aller sur un pistolet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est pour faire moins de dégâts. Non, j'ai pas besoin de ça. Et en module, qu'est-ce qu'on peut mettre? Dégâts critiques, chance de provoquer un effet statut, rend votre arme non létale, augmente les dégâts de 6. Ouais, franchement, il y a rien qui m'intéresse pour le moment, je vais le garder comme ça. Je vais garder les pistolets. Excusez-moi, mais... Ouais, voilà. Il me semblait bien qu'il était rouge quand même à la base, le bordel. Spa. Ah, pardon. Excusez-moi. C'est pas ce que je voulais faire. En vrai, le viseur est pas idéal. Je vais changer de viseur. Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux tenter... il me faut un truc qui est pas entouré. Donc en vrai, je vais plutôt tenter celui-ci. 19, 20, 28. Voilà, ça c'est bien. Let's go. C'est vrai, t'as un truc qui va me faire bander toute la nuit, mais c'est énorme ça. Bah vas-y, je prends. Ma queue t'écoute en fait. Tout simplement. Franchement, je vais tellement vite à pied avec le double saut, c'est une dinguerie. Regardez, je trace comme jamais. Je suis la flèche humaine. Je fais un Naruto Run là, vous le voyez pas, mais je fais un Naruto Run. Hop! Donne-moi ta caisse. Laissez-moi partir. Oui, je te laisse partir, mais à pied. Oh, t'écoutes de la bonne zik en plus. Pardon. Merci, moto rouge. Ok, on se casse. On se casse. Allez, vite. Oh merde. Chut. Je suis caché. Ils arrivent. Mais ils savent où je suis en fait. Ils savent exactement où je suis. Ah, ah.
Je m'en vais. Allez, vas-y, enlève ton alerte, là. Oh, il casse les couilles, wesh. Allez, je me tire, comme Maître Gims. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès d'écraser une meuf sur la route, tu vois. Voilà, c'est bon, c'est fini. Allez, juste que je me casse. Tu joues à la manette? Ouais, je joue complètement à la manette. Je suis clairement plutôt manette, quoi. Merci Refuse pour cette BO. Écoute, je connais pas tous les groupes qui ont fait les BO de Cyberpunk, mais effectivement, elles sont plutôt cool. Je dois le reconnaître. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Non, ne tire pas. Save your corporate career. Ah ouais, d'accord. C'est D'accord. T'es au bout. Ok, toujours pire les pubs, hein. Tu vas te suicider? Allez, prends un petit cacheton. C'est radical, quoi. C'est radical. Allez, salut. Le jeu a l'air stylé, dommage, il est pas optimisé sur console. Bah ouais. C'est con, faut y jouer sur PC, les gars. Faut y jouer sur PC. Oh. J'ai mal au bide, c'est sûrement parce que il faut que je prenne du sucre. Ça doit être ça, je pense. Je ne vois pas d'autre solution. Ouais. Je suis sûr, c'est ça. 100%. 100% c'était ça. Ah les amis, laissez-moi une seconde, je vais vérifier si mon chien va bien. Mon chien va très bien, il était tout simplement en train de dormir comme un boss. Voilà. Allons-y. Bon, on va tenter, hein. Hop, hop, hop. Hey, V, on va commencer. J'ai sauvegardé. T'as envie de pisser ou quoi? C'est maintenant. J'ai sauvegardé au cas où. Tu sais quoi? J'ai pas envie de me faire baiser, je veux le meilleur prix. Donc je vais même faire une sauvegarde de beau gosse. Voilà. Allez, vas-y. C'est gentil d'y penser, mais... Okay. Allez, go. Donc là, il va falloir que je tire sur des cibles, c'est ça? Ah non, faut que j'y aille. Donc là, concours de tir. Il va falloir que... ouais, je vais jouer Lexington, hein. Alors, combien de concurrents? Seulement 6. Dommage. C'est pas mal, déjà. Mais on va pas pleurer, hein. Les règles sont simples, ok? Il y a une cible, vous tirez dessus. Vous pouvez même tirer sur celle du voisin. Celui qui réussit le plus de tirs gagne. De tirs sur la cible, hein, pas sur le voisin. Ah oui, que des petits calibres. Venez pas vous la jouer avec un putain de fusil d'assaut ou un lance-roquette, ok? Ok. Premier prix, un flingue. Mais un super bon. Il arrache, je vous le dis. Enfin bref, je m'arrête là. C'est trop d'émotion. Prêt? Mais donne-moi mon flingue. C'est pas le Lexington, ça. Wesh, il est où mon flingue? Attends. Hey. Je me fais 100% cuck, là, on est d'accord, hein. Ah, merci. 3, 2, et c'est quoi, ça?
Qu'est-ce que tu fous avec un double canon? J'ai dit que des petits calibres. J'ai oublié mon crasher. J'ai dû le laisser dans mon autre veste. C'est pour ça qu'on range son flingue dans un holster. Un holster! Allez, dégage de ma vue et que ça saute! Putain, Tchoum! Calmos! Ça va, je m'en vais. Alors le mec allait jouer au fusil à pompe là, t'as vraiment aucune race. Il y aura des cochons. Putain. Allez, 3, 2, 1. Oh, je vise trop mal, c'est affligeant. La cible V, la cible, pas le mur. Il va partir, vas-y, continue. Mais à mi-chemin, reprends-toi, putain. Je sais pas combien j'en ai, je sais pas si je suis premier ou pas du tout. Je sais pas du tout si je suis premier ou pas, mais... À la manette, c'est moins facile, hein. Putain, je sais pas si je suis premier, hein. Je fais de mon mieux, mais... Première place, V. Yes! M, Rudy. Yes! Les autres, apprenez à tirer, bande de petites bêtes. Allez, hors de ma vue. Bon, voilà, j'ai juste été le boss, merci à toi. Ouh! C'est vrai qu'il a de la gueule. Ouais. Oh, il est archi classe. Eh, ça va? Y'a un truc qui cloche? Y'a tout qui cloche en ce moment. Le concours a servi à que dalle. J'ai pas fait une seule vente. Pas une. Évite déjà de traiter tes clients potentiels de... petites bites. Ok, mais... putain, ça se respecte, les flingues. Tu sais pas tirer, bah tu tires pas, c'est tout. Ah, prends soin de toi, V. A plus. Ah, t'aimes trop ton métier, t'es passionné, mon frère, mais malheureusement... la passion... ça ne fait pas... Oh putain, un pistolet épique, Lexington en plus, voilà, bah c'est... Les amis... j'ai envie de vous dire que ça régale. J'ai envie de vous dire que ça régale. Tout simplement. Par contre, attends, parce que là, je me fais complètement baise. On va reprendre notre pistolet d'assaut. Merci. On va reprendre notre katana. Merci beaucoup. Ouais, c'est celui-ci. On est bon. Est-ce que c'est le max en dégâts? Ouais, j'ai ça qui fait plus, mais on s'en fout. J'ai toujours pas de module de katana. Ça dégoûte. Ok, on n'est pas trop mal. Et ouais, je pouvais prendre un pistolet à la place peut-être du fusil d'assaut, par exemple. Si je veux juste me la péter au Lexington, je peux, quoi. Mais il est où? Ah ouais, il fait zéro dégâts. Par contre, c'est une énorme merde, en fait, son truc. Oh là là, quel cauchemar. Il est nul à chier. Il est nul à chier. Le flingue, il est beau. Et ça s'arrête là. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Bah, va falloir l'améliorer de ouf, en fait. Va falloir l'améliorer de ouf. Il est archi beau, mais... va falloir l'améliorer. Après, il est bien, hein. Il n'y a pas de recul. Il est automatique. Je peux contrebalancer le recul assez facilement. Ok, ok. Franchement, pas mal, hein. J'ai que des flingues en or, là. Bam! Oh, dommage. Raté. Bon, désolé, mais du coup, comme il est pas assez puissant, on va quand même rester avec nos trucs de base. On va reprendre notre super flingue. Merci beaucoup.
Et d'ailleurs, il faudrait que j'aille chez un vendeur d'armes. Genre lui. Est-ce que t'as des trucs pour mon... Des modules pour ma lame, en fait? Ça, ça me ferait plaisir. Des modules de lame. Est-ce que tu as ça, mon ami? Déjà, tu vends des lames. Déjà, c'est pas mal. Il vend toujours cette putain de matraque à deux mains légendaire. Mais je vais pas jouer à la batte, c'est pas prévu. Par contre, si t'as des petits modules... Voilà. Si t'as des petits modules de lame, ça peut être pas mal. Mais il a pas de module de lame, ce bâtard. Ouais, ouais, ouais. Il a pas de module de lame. Faudrait que j'aille chez un vendeur, en fait, de flingues. Faudrait que direct que j'aille chez un vendeur. Ah, j'ai d'autres trucs à mettre au canon. Dégâts multipliés quand vous restez furtif. Silencieux réduit de 15% les dégâts. Silencieux augmente les chances d'affliger un coup critique et des dégâts de base de 25. Merci à toi, Jordanoche, pour ton sub. Merci beaucoup. Merci, c'est cool. Qui voilà ? Un client satisfait, j'espère. Bon, en tout cas, il me vend pas ce qui m'intéresse, Jean-Mi. Vu que j'ai un peu de thunes, en vrai, j'irais bien aller voir un vendeur de... Alors, vendeur d'armes de corps à corps. C'est pas mal, apparemment, il y en a un pas loin. Ah, mais lui, en fait. Lui, il vend des trucs de cac. Vas-y, t'as quoi ? Alors, est-ce qu'il a des modules, pour le coup ? Ah, il a des modules. Augmente les chances d'infliger un coup critique de 7%, c'est pas mal. Augmente les dégâts de 7, ouais. Les dégâts critiques... Augmente la vitesse d'attaque, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal, surtout ça coûte pas cher. Je peux les prendre, non ? Ça, et puis 10%, c'est peut-être mieux quand même. Hein. Dégâts critiques de 10%, ça me semble mieux que dégâts de 7. Les chances d'infliger un coup critique de 7%, c'est peut-être pas mal aussi, les chances de critique. En même temps, il faudrait que je regarde mes stats. Moi, j'ai quoi comme statistique ? Est-ce que j'ai des chances de critique qui sont cool ? J'en suis pas persuadé. Stats. Talalala. Chance d'infliger un coup critique. 22. C'est pas non plus l'insanité la plus insane du monde, quoi. Attends, je suis à 33 en réputation. Quand je serai à 37, les vendeurs proposeront de nouveaux modules et accessoires d'armes. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très, très bon. Ok. 22. Alors ça, c'est de base. Hein. C'est de base. Mais du coup, mes armes doivent proposer autre chose. Donc j'ai 22 plus... plus 5... Ah, j'ai que 27% de chance d'infliger un coup critique. C'est pas insane non plus, hein. En vrai, ça peut être cool. Le katana légendaire, où est-ce que t'as vu ça ? C'est vrai, il a un katana légendaire, lui ? Pas du tout. Il n'a pas de katana légendaire, il a une matraque à deux mains. Il a une vieille matraque pétée à deux mains, c'est nul. C'est... Ah non, il y en a un là, oui, t'as raison ! Oh, et en plus, je peux l'acheter et... Ah ouais. Ah ouais. 50 000, hein. 50 000 alors que je one-shot déjà tout le monde avec mon arme actuelle. Est-ce qu'on est sûr? Ah ouais, 27 chances d'infliger un coup critique. 15... Oh ouais, non mais il est insane, gros. Il est insane, le truc. Waouh, il est incroyable. Si tu attends la quête avec le japonais, t'en auras un. Oui, mais celui-là, il est légendaire. J'attends ou je le prends? Aïe, 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 aïe. Après, j'ai plus de thunes, les gars, hein. Après, j'ai plus de thunes. Il va falloir que j'aille refarmer des thunes pour continuer ma mission avec l'autre connasse. Il va falloir que je refarme des thunes pour acheter une bagnole. Le katana de ce revendeur augmente avec ton niveau et le prix aussi. Ah. Écoutez, quand je dépense, ça fait pas. Allez, on l'a acheté directement. Pff, bon. Du coup, on va prendre les modules qui vont bien. On va augmenter les chances de critique ou les dégâts.
7 dégâts, c'est ridicule, on va prendre les chances de critique. Hein. Allez, tac. Et en vrai, même les dégâts critiques, c'est quoi, 10%. Voilà, je t'ai régalé mon frère, je t'ai tout donné, je suis un frère, je t'ai tout donné. Bon, maintenant que je t'ai tout donné, va falloir revendre des trucs. Alors par contre, il va falloir faire du pognon les gars. On va changer de katana. Ça déjà... Hop ! On double les dégâts, ça déjà ça régale. Ensuite, les modules, bah il y en a 3, on va les mettre. Voilà. Voilà. Ah pardon. Non. Hop. Voilà, on a mis nos 3 modules, ça coûtait pas bien cher, on est content. Du coup, les stats du Kakatana, elles sont insane. Elles sont juste insane, d'accord. Les chances d'infliger un coup critique de 34,224%. Comment vous dire ? Augmente les dégâts critiques de 57%. Mais attends, mais c'est les stats que j'ai au-dessus. C'est quoi le délire là ? C'est quoi, je suis capé ou quoi ? Attends, je suis capé, je crois. Je crois que ça a pas augmenté, je suis capé. Et genre, je peux le revendre 613. Je l'ai acheté 50 000, je peux le revendre 613. Ah, le mode comprend le nombre de bases plus le bonus. Ah ouais, mais du coup, je suis capé. Je suis capé, les gars. Clairement. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Bon, en tout cas, clairement, je vais plus avoir besoin de charger mon katana. Maintenant, je vais faire... Et je vais découper tout le monde. Ça va one-shot sévère. Derrière, au niveau des armes, on est d'accord, j'ai pas de meilleur fusil de sniper. Non, on est bon. On n'a pas de meilleur fusil de sniper. Ok. D'ailleurs, on n'a pas de fusil de... Attends. Si, on a un meilleur fusil sniper. On a carrément un meilleur fusil sniper. Après, je peux rien équiper dessus, quoi. J'ai mon viseur et fin du game. Il a le même multiplicateur de dégâts, même délai de tir. Il a un plus long temps de chargement. Ce qui n'est pas vraiment une bonne chose. En fait, les balles font juste plus mal, mais sinon c'est le même quoi. C'est exactement le même. Du coup, je suis moyen chaud de changer parce que je vais pas gagner tant que ça en dégâts. Et en plus, lui, il a le temps de recharge qui est divisé par 2, donc clairement c'est mieux quoi. C'est clairement mieux hein. Non, je vais garder le mien. Maxidan, tu as vraiment une énorme queue. Écoute, merci. Merci, je suis content que tu t'en rendes compte en tout cas. attendez, il faut que je réponde à... Ah, ça c'est important. Je vais changer de siège aujourd'hui les amis. Oh d'ailleurs, j'ai un code pour vous. Eh, je sais pas combien vous êtes à regarder là. Vous êtes 500. Bon bah les gars... C'est pour vous, et si vous êtes sur YouTube, c'est pour vous aussi. Je vais changer de chaise aujourd'hui. On va me la porter, là. D'ailleurs, je vais répondre au texto maintenant. Je peux te la porter. Go. Vas-y, envoie. Attends. Hop. Je lui donne mon adresse quand même, parce que sinon c'est chaud. Tac. Pardon. Voilà. Et donc voilà, donc je vais changer de siège. Je vais avoir un siège à Worth. Alors je vous le montre. Et il y a un code, les gars. Un code qui, je vous le dis, je vous regarde droit dans les yeux. Moi, ça me donne rien. D'accord ? Donc c'est cadeau, c'est pour vous. Moi, ça me donne rien. Par contre, vous, ça vous fait une économie de plus de 200 balles. Ça commence à être intéressant. Hein. Je lis dans vos yeux que c'est intéressant. Voilà. Donc, je vous le montre parce qu'en vrai, je suis très content de vous proposer ce genre de petit deal. C'est plutôt cool. En gros, c'est une chaise ergonomique. Donc, c'est pas du tout une chaise gamer, vous savez, avec les designs
hyper alambiqué où en fait t'es pas du tout bien assis dedans, c'est de la merde 90% du temps. Non, c'est vraiment une chaise de bureau confortable, réglable d'absolument partout pour le lombaire et machin et tout, que t'es archi bien. Donc c'est une chaise ergo, d'accord, c'est pas du tout une chaise gamer. Et du coup je me suis pris ça. Alors attention, ça coûte cher, c'est une très bonne chaise. Je crois que de base elle coûte plus de 1 000 euros, d'accord. Mais du coup vous allez pouvoir utiliser un code qui s'appelle Max Haworth. Donc Max Haworth, le code c'est je vous l'écris là, hein, c'est Max Haworth. Voilà. Ok. C'est ça le code. Et en fait quand vous allez utiliser ça, bah, vous allez avoir un gros code promo. Regardez, hop, Max Haworth. Faut que je fasse gaffe quand je vais sur. Faut pas que j'aille sur Google comme ça. Vous voyez toutes mes recherches récentes. Est-ce que j'ai tapé des dingueries? Est-ce que j'ai tapé des dingueries? Parce que. Là, t'arrives là, paf! Vous voyez que j'ai commandé un McDo ce midi, que j'ai regardé la moto de mon meilleur ami, que je lui ai conseillé un intercom, que j'ai regardé une autre moto. Que j'ai regardé des infos sur le Camlink, que j'ai regardé pour ma moto et que j'ai commandé un truc tentation fromage pour mon daron. Bon voilà, vous pouvez avoir des infos quand même. Heureusement, il n'y a pas de dinguerie. Attention, quand on tape X, non, ça va, il n'y a pas de dinguerie. Il n'y a pas de dinguerie. À part Xari, il n'y a pas grand chose. Donc tout va bien. on peut faire des dingueries. Attendez, Haworth, vous allez voir, il y a un truc qui est plutôt cool. Hop, mobilier de bureau. Donc voilà, donc les mecs, c'est des designers, hein, ok. Ils font des locaux... en fait, ils travaillent plutôt avec des entreprises, pas vraiment avec des particuliers. Et les entreprises, quand elles commandent un siège, en fait, elles en commandent 60. Elles signent des bons à plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros de mobilier. Et puis voilà, donc c'est des mecs qui bossent plus avec des professionnels. Mais ils font aussi pour des particuliers. Et du coup... Si vous cherchez une bonne chaise, pour le coup, moi, j'ai testé, j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé ça même bien plus confortable que la Herman Miller. Et pour, en fait, moins cher de base. Alors, comment je me balade sur leur truc? Parce que là, le site ne marche pas, en fait. Donc, c'est chiant. Faites un effort. Voilà. C'est celle-là, je crois que c'est la ferme. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la ferme. Ok. Je crois que c'est celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. Donc, c'est ce modèle-là. Donc... Vous utilisez le code Max Haworth, vous prenez ça et vous vous régalez. Alors, vous pouvez la créer de toutes pièces. Hein. Vous allez dans créer votre modèle et vous allez voir que vous pouvez tout personnaliser. Donc ça, c'est assez cool. Et en gros, moi, j'en ai commandé une, mais il y a un temps, elles sont fabriquées à la commande. Donc forcément, elles prennent 1 à 2 semaines avant d'arriver. Je vois que le site est en PLS, donc je pense qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont été sur le site, parce qu'il ne doit pas être fait pour avoir une telle charge serveur. Donc tant mieux, je crois qu'il y en a quelqu'un qui ont été jeter un œil. Voilà, vous prenez la ferme, vous la personnalisez comme vous voulez, vous changez le tissu, le machin, le truc, d'accord. Vous faites votre petit design, vous commandez, vous mettez le code Max Haworth et vous avez une réduc, et ça régale. Moi par exemple, j'ai pris le siège en rouge et le dossier en noir. Et forcément, ça regarde. Le site est en PLS. Hein. Normalement, il marche bien mieux que ça. Mais là, je crois que vous êtes quelques-uns à être allés dessus. Et apparemment, il apprécie. Alors, attention, le code est peu... Je crois qu'il est déjà en place. Mais il est peut-être, au moment où je vous parle, pas encore en place. Peut-être. Donc, testez. Si vous voyez que le code ne marche pas, réessayez la semaine prochaine. Ça devrait être bon. Mais voilà, en tout cas, il y a ça qui est en cours. Voilà, moi ça me donne rien, je gagne pas un centime sur ce code, je vous le dis, voilà. Alors, si vous êtes 200 à acheter une chaise, on peut peut-être m'envoyer un petit billet. Mais là, moi, concrètement, ça m'apporte rien, donc je vous le dis, c'est pour vous. Vous allez vous faire une petite économie sympathique, je sais plus combien de pourcents c'est, mais je crois que ça équivaut à plus de 200 balles d'économie, donc c'est quand même intéressant. Donc voilà, allez jeter un œil sur ça et régalez-vous. Vous pouvez même, vous avez tout un tas d'options que vous pouvez ajouter. Vous pouvez changer le type de mousse. Vous pouvez ajouter le soutien lombaire. Vous allez voir, il va apparaître ici. Et le soutien lombaire, pareil, c'est un truc que vous allez pouvoir régler derrière la chaise. Vous voyez, il y a une petite manette comme ça qui s'ajoute et qui va appuyer comme ça dans le bas de votre dos. Et vous allez pouvoir la régler comme vous voulez pour appuyer où vous voulez dans votre dos. Donc, c'est plutôt cool. Bref, voilà. J'arrête le petit instant pub. Vous la prenez si vous voulez. Vous la prenez pas si vous voulez pas. Je vous l'ai dit, je m'en bats les couilles. Ça ne me change
rien. On retourne sur Cyberpunk, les amis. Voilà. Alors du coup, en fait, moi, juste pour finir sur cette histoire, en fait, comme elle va mettre un certain temps à être construite et livrée chez moi, eh ben, le mec qui bosse là-bas et qu'en fait est un viewer, eh bien... Attends. C'est en full noir pour le code promo. Ah, il faut la prendre en full noir, apparemment. Il doit voir que je suis en train d'en parler, je pense. Attends, il me donne les infos, en fait. Attends. Donc, c'est 20% de réduction. Donc, ça vous fait la chaise à 800 balles au lieu de 1000, quoi. Et c'est un modèle bien précis. En fait, attends. C'est en full noir pour le code. Ok, donc vous pouvez la commander que en tout en noir. Vous pouvez pas la personnaliser à balle. Ou en tout cas, vous pouvez peut-être la personnaliser, mais vous pouvez pas mettre les couleurs que vous voulez. Et le code, en fait, c'est pas celui que je vous ai donné. Ça a changé. Parce qu'il m'a donné des trucs hier. Et en fait, c'est pas exactement ça. Alors attendez, je vous donne les bonnes infos. J'ai pas envie de vous douiller. Attendez, il me donne les infos en live. Il doit être en train de regarder live. Il est en mode Attends. You are trompé, les amis. Bon, c'est quand même pas mal, c'est quand même 20%, les gars. Donc, le code, c'est... Alors, attendez, parce que... comme c'est en texto, ça m'arrange pas de ouf. Alors, attendez, c'est... Il va falloir que je vais vous copier-coller le code dans le chat, en fait. Ça va être plus simple. Je vais vous le mettre dans le chat. Worth. Ok. .com. Ok. Slash. Fr. Slash. Produit. Putain. Slash. Fr. Ok. 2, ok, slash, normalement c'est ça. Je vais mettre le HTTPS parce que j'ai pas envie de me faire baiser, mais normalement on est bon. HTTPS 2.double slash, voilà, normalement c'est ça. C'est ça les bails, ok. Ah, je te le fais sur Twitter, merci, t'es un frère. Voilà, normalement vous allez là-dessus, et le code, c'est pas tout à fait celui que je vais donner, il est un peu plus compliqué, donc c'est un peu chiant. Ah voilà, c'est ce modèle-là en fait. Oui, blablabla, France, c'est où la France, frérot? France. Merci. My country is France. Please, can you... Voilà. Shopping, avoir ça. Donc, c'est ce modèle-là. Donc, c'est le modèle tout en noir. Ok, hein, ça va. C'est ça. Vous n'allez pas pouvoir faire des folies, mais au moins c'est ok. Voilà, ça ressemble à ça. C'est très propre. Et vous avez, je sais plus... Vous avez 1, 2, 3, 4, il y a au moins 4 ou 5 réglages dessus, si c'est pas plus en plus avec le truc du dos. Vous prenez ça, et le code du coup je vous le mets, vous savez quoi, on va simuler un achat, comme ça on va voir où est-ce qu'il faut taper le code et tout, je vais découvrir avec vous le bordel. D'accord. Delivery machin, 840. Ah oui, ça c'est sans la TVA. Donc, en gros, il vous offre la TVA, d'accord? Donc, en gros, ça va vous coûter à peu près ça. Ça passe de 1009 à quelque chose dans ce goût-là. Donc, allez-y, on va check out. On va voir un peu le délire. On va taper le code qui est, en fait, le code, c'est maxildan19@hours. Bon, ils auraient pu faire plus simple. Ils font un peu chier. Mais bon, tant que ça marche, c'est tout ce qu'on veut. Maxildan. Vas-y. Je vais le taper. Attends, je vais essayer sans majuscule. Voir si ça marche. Maxildan19. @Haworth. Ok. C'est bon, c'est ça. Coupon. Est-ce que ça marche? Ça marche! Voilà. Ça marche et ça régale. Donc du coup, blablabla. Donc forcément, c'est 20%. Donc là, c'est 20% de 840. Mais vous pouvez payer machin comme vous voulez et tout. Sauf que forcément, il y a la TVA ajoutée. Donc ça vous la fait à 817 balles. Voilà, ça vous l'a fait à 817 au lieu de 1009. Ça me semble intéressant. Voilà, vous savez tout. Je vous rappelle le code maxildan19@hours. Fin du buzz sur cette question. Je vous mets le lien dans le chat pour que vous ayez toutes les infos. Et comme ça, vous allez pouvoir cliquer dessus et vous mettre bien. Je remettrai le lien avec le code promo sur Twitter, évidemment, pour d'autres. T'inquiète donc pas, tout va bien. On est archi bien. Regardez, code, shopping, réduction, en full noir. Voilà. Il m'a tout mis, c'est un frère. Voilà, je vous mets là. Ok, boum. Régalez-vous, tout est dans le chat, les amis. Et je remettrai ça sur Twitter plus tard. Pour le moment, on a un live Cyberpunk à faire.
Let's go! Let's go! Bon, bah mon ami, on se retrouve...